Eh bien bonjour les amis, c'est Marsudis le Troyen et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale accompagnée de DMTTE Design. Non, tu peux venir, j'ai fait le chocolat, ce sera mieux. J'ai fait ce chocolat. Excuse-moi oui, l'habitude. Ouais, non, t'inquiète. Voilà. Allez. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Nous, en tout cas, ça va super. Oui, ça va. Ouais, on a un truc à dire ce soir. On a un petit truc, voilà, j'ai surtout un message à faire passer à... Ouais, à Jojo. Jojo, la star du du troll, on va dire ça. Ouais. La star du web. Non, mais voilà, moi je peux le dire. Donc, déjà, il y a un truc, Jojo, tu vois. J'étais énervé contre toi et tout, donc la vidéo, je l'ai supprimée, comme tu le sais. Par contre, là, je suis un peu en colère, oui. Pas parce que tu m'as trollé, hein, au contraire, ça a fait marrer du monde sur ma chaîne et tout, tout le monde a rigolé, même, bon, moi au début, c'est vrai, j'ai cru à un truc de ouf, tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive, mais là, ce que tu m'as marqué, il y a 20h, tu vois, je me suis levé ce matin, j'ai vu ça, je suis là, c'est pas possible, faut que je te fasse une vidéo à toi, c'est pas parce que tu m'as trollé, c'est pas parce que t'as été dire des conneries sur ma gueule, sur toutes les chaînes de mes abonnés que faut que tu dis ça quoi, c'est non c'est pas possible, donc vas-y Théo, je te laisse le dire. Bon, on te dit tout simplement que tu n'es pas une victime, voilà, je suis clair et net. On te dit tout simplement que, comme on dit, nous on a du respect envers toi, enfin voilà, même si tu nous as trollé, etc., ok, bon, on l'avoue, déjà c'était pas vraiment petit, enfin ça fait rire certes, mais voilà, c'était pas très marrant. Mais je vais dire un truc, c'est ne dis pas, s'il te plaît, de t'insulter. Ça se fait pas. On a un respect quand même envers toi, minimum de respect. On est quand même dans une, on est voilà, un troll, certes, c'est bien. Ok, c'est un fake, certes, voilà. Mais au moins t'as avoué. C'est ça qui est bien dans ta franchise. Enfin, t'étais franc maintenant. T'as dit voilà, j'ai dit des propos, voilà, un peu, voilà. D'accord. Mais ne dis pas, enfin. Voilà, le commentaire que tu as dit à Marsus, c'est-à-dire, en gros, t'as dit, tu peux insulter moi si ça vous fait plaisir. Non, tu as été clair et franc, ça je te remercie en tout cas. Mais on va pas t'insulter, t'as trollé, etc. C'était une blague, ok. Bon, on a compris depuis le départ. Mais voilà, on a un respect pour toi et voilà, je tenais juste à dire ça. Je tenais à dire que. C'est pas pour ça qu'on va se disputer, même si on, voilà, on sait trop, mais si tu nous as trollé, si tu veux qu'on vienne te parler, bah y a pas de problème, hein. Écoute, pense, hein. Voilà, franchement, là, voilà. Tu vois, le commentaire, il est sous mes yeux, c'est vrai que c'est marqué clair, en gros, hein, comme quoi qu'il m'a même, il a dit pardon, Marsu. Et après, il a marqué la vérité, comme quoi que c'était pas mon frère et qu'il a jamais payé mon G25. Et il m'a marqué encore désolé, Marsu. Tu vois, ça, c'est déjà, ça me touche parce qu'il y en a pas beaucoup qui l'avouent, hein, leur crime, hein, sur YouTube. Oui, c'est clair. Déjà, on te remercie tout, en tout cas pour le respect que tu avais donné. Et je pense que la vidéo t'a quand même un peu touché. Enfin, t'a touché parce que, vu ta réaction que tu as fait ce matin, bah, je suis quand même, voilà. T'es venu sur ma chaîne YouTube, voilà, sorry, tu as dit sorry en anglais, c'est-à-dire pardon, pour ceux qui veulent savoir, hein. C'est-à-dire pardon en anglais, pour ceux qui sont mauvais anglais, hein, désolé. Mais voilà, je tenais à te dire en tout cas que j'accepte tes excuses, il n'y a pas de problème, j'accepte vraiment tes excuses. Et c'est pas pour ça que je vais me fâcher avec toi, quand même, parce que t'es quand même l'un de nos abonnés, enfin, t'es l'un de mes abonnés, et ça, je pense que... Voilà, et en tout cas, je t'en remercie en tout cas pour ta franchise, t'étais franc sur ma chaîne YouTube, et ça, je tenais à te dire ça. Voilà, excusez-moi les amis, mais déjà, ce qu'il a fait, Jojo, c'est pas un troll comme certains font, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas eu d'insulte, quoi, c'est juste qu'il s'est fait passer pour quelqu'un de ma famille, voilà, point barre. Oui. C'est tout, il n'y a pas eu de mal là-dedans. C'est vrai qu'au début, j'ai pas cru au troll, je vais vous expliquer... tout simplement pourquoi les amis, c'est parce que dans ma famille il y a la femme à mon beau-frère qui aime bien chercher les embrouilles, et au début, oui. Tu vois, je pensais pas au troll, je pensais à elle, tu vois, sans te mentir, Jojo, c'est à toi que je m'adresse, je pensais pas à toi, je pensais à elle, qu'en fait qu'elle avait créé un compte YouTube parce que elle cherche les embrouilles sur Facebook,
Donc elle est bien capable de tomber sur ma chaîne et de me chercher la merde sur ma chaîne, tu vois. Parce que elle aime pas le père de ma femme et tout. Enfin bref, maintenant je voulais te dire que grâce à toi, Jojo, ma famille, ils sont tombés sur mon commentaire, sur ton commentaire et tout. Donc maintenant, ils m'ont recontacté et tout, oui, parce que du coup, ça avait foutu la merde avec ma famille, ils voulaient plus me parler. Enfin bref, je vais pas revenir sur les détails. Mais du coup, maintenant, ils me recontactent grâce à toi et tout. Et franchement, ça c'est super. Et franchement, faut du courage pour aller sur toutes les chaînes que t'as été, avouer que t'étais un fake et tout. Voilà. Donc, bah, franchement, merci en tout cas à toi d'avoir dit, d'être dénoncé. On t'en veut pas. Hein. Maintenant, c'est pour te dire, quand quelqu'un avoue la vérité, pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui commence à devenir franc et qui a compris que, en fait, ça ne menait à rien de faire ce genre d'histoire. Ça ne menait complètement à rien. Et en plus, c'est vrai, hein, ce que je dis. Mais ça mène à rien de faire ça. Tu gagnes quoi à la fin? Bah, tu gagnes des amis en moins. Tu gagnes la honte assurée. Enfin, voilà, je te souhaite pas la honte assurée, hein, je te dis. Mais voilà, au moins tu sais au moins ce que tu penses, Au enfin ce que contraire, je il a quand pense. même fait marrer mes abonnés, hein. D'ailleurs, Ouais, mais tu bah, au prends. contraire, oui, d'ailleurs. Oui. Voilà. Parce que oui, ils avaient compris que c'était du fake, tu vois. Le seul dans l'histoire qui avait pas pigé le truc, c'était moi. Ouais, bah, toi, t'as jamais pigé, toi. De toute Parce que façon, comme tout le je vous monde. ai dit, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, trollé comme ça. Non, mais c'est vrai que quand on Je regarde la voulais. première fois, je vais dire la vérité, hein, Marcel, mais la première fois que t'as ça, ouais, d'accord, tu vois ce Donc que je veux dire? du coup, Suprême Soldat YouTuber, ne t'inquiète pas, il est passé sûrement sur ta chaîne. Donc tu peux avoir confiance en Jojo Jojo, il n'y a pas de souci, c'est juste un Oh. troller et c'est tout. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est venu, il a trollé, mais il a avoué la vérité, et c'est ça qui me plaît sur ce Et mec. il a fait rire du monde, par exemple, il a fait marrer Jean-Kevin, Jean-Kevin qui m'avait dit, moi je dis il est trop fort le Jojo Jojo, il m'a tué, il vous a raconté de la merde et vous avez tout mangé. J'ai mal au ventre tellement je rigole. Bah appelle-moi, je sais pas quoi. Bon, il parlait sûrement quand t'as parlé de la plainte et tout ça. Moi? Ouais. Ouais. J'ai pas trop compris. Non, Sinon. mais la plainte, c'était. Ben, je pense qu'il a quand même un peu compris, Jojo, que ça peut aller mener jusqu'à là. Ça peut aller mener jusqu'à là. Après, Parce que t'as c'est Joël vrai Gros que. Désir aussi, hein, qui était mort de rire. Ah, mais c'est vrai, hein, d'ailleurs. Non, mais franchement, on est tombé dans le panneau, mais pour vous dire qu'à la fin, moi, je rigole parce que je me disais, en fait. À la fin, on est peut-être pas des victimes. À la fin, peut-être qu'il est venu nous troller, mais c'était rigolo. Il nous a fait une petite blagounette. Bon, Voilà, il a fait une blague, c'est tout, tout simplement. bah ouais, on Mais voilà. aïe. Et Jojo, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas bloqué. Il y a rien. Tu peux venir sur ma chaîne, je peux te parler, il y a tranquille. Ouais, moi Et aussi, hein, il peut, hein, y a pas de problème. maintenant, on te veut pas. Enfin voilà. Maintenant qu'on sait que c'est du fake pur et simple et dur, bah maintenant on te veut pas quoi. Par exemple, C'est tu vois. voilà. Faut pas croire que. Ah, je suis désolé de te couper, Marsu. Faut pas croire que après ça, on va plus te parler, on va te bloquer, on va voilà. Non, on va pas rager. Au contraire, on fait cette vidéo-là pour toi, pour te dire que voilà, c'était. Je te remercie en tout cas pour avoir dit la vérité. Et voilà. Voilà. Parce que franchement, un gars, moi, j'en ai connu. Enfin, je veux dire, en vrai, j'ai connu personne qui a dit ça en vrai. Qui disait ça. Oh, ouais, je suis désolé, je t'ai trollé. Personne, il y a totalement personne. Je pense que t'es le seul à avoir dit ça. Et ça, franchement, je te Et remercie. entre nous, franchement, c'est vrai que là, je viens de tomber sur les commentaires encore. Et c'est vrai que son troll aurait pu durer un certain temps, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que quand il continue, parce qu'en fait il continuait si tu veux son troll, et il a été sur une chaîne si tu veux que le mec je le connaissais pas du tout, Ouais, et c'est donc là en fait qu'il a compris tout de suite il que a été c'était. sur la chaîne de Henri 640 qui a à son heure actuelle 400 et quelques abonnés je crois, parce que je l'ai vu ce matin celui-là et qu'il a marqué à Jojo Jojo arrête de dire aussi que Monsieur Marsudis m'insulte par derrière aussi car je n'ai aucune preuve de ce que tu dis. Et lui, Jojo Jojo, il a répondu donc à Henri, j'ai dit de la merde sur Marsu et que de la merde. Mais bon, tu es le seul à avoir dit que tu le connaissais pas. Pas grave, c'était une blague de mauvais goût. Je m'excuse encore, Marsu. Tu vois, il s'est encore excusé envers moi. Donc, il est tombé en fait sur une personne qui me connaissait pas du tout. Sinon, il aurait continué
S'il n'aurait pas tombé sur cette personne-là, je suis sûr que son troll aurait pu durer 2, 3 semaines, quoi. Et après, bah, ça a pu avoir des conséquences. Après, voilà, je me suis fait avoir comme tout le monde. Maintenant. Après, si d'un côté tu te fais avoir, mais de l'autre côté tu te dis putain, c'était une caméra cachée. Ah non, mais quand t'apprends en fin de compte que c'est un troll, t'es là, tu dis putain, je suis le seul Mais con à ne pas avoir vu, à pas avoir vu ce truc moi, passer. mais moi, ce que je vais te dire, je t'annonce, c'est que je savais que c'était un troll. Pourquoi il allait venir me demander à moi de te faire gaffe à toi? Pourquoi il allait demander à moi? Tu vois ce que je veux dire? C'était un putain de troll, c'est tout. Mais je t'ai pas dit parce que je voulais bien que tu saches qu'il y a un troll. Se voyait direct. Ah mais toi, il t'a dit de faire gaffe à moi parce que je t'appelle une fois tous les je sais pas combien quand je suis avec Didi. Tout simplement. Moi, voilà, pour moi, c'était ça. Oui, mais tu sais, moi je savais déjà que c'était un troll. Parce qu'on déjà rien qu'avec son commentaire, eh ben pour moi c'était un troll. Parce que le ne me prends pas mal, Marsu, mais voilà, il t'a trollé. Non, mais c'est vrai, hein, il t'a trollé, mais en même temps, ça m'a fait rire parce que j'ai dit, putain, la réaction de Marsu qui fait vers ça, je pense, c'était comme l'autre. Sauf que je me suis pris au jeu et je suis resté jusque-là. Après, je t'ai expliqué pourquoi que je croyais pas en ce truc-là, parce que comme je t'ai dit, voilà, j'ai la femme de mon beau-frère qui aime pas la famille à ma femme du tout, et elle cherche la merde envers tout le monde. Et au début, je croyais que c'était elle, tout simplement. Ouais, mais c'est pas elle. Voilà, maintenant j'ai la C'est preuve que pas c'est elle. pas elle, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, Jojo, écoute, t'es le bienvenu sur ma chaîne. Franchement, félicitations hein, pour ton troll. Putain, j'ai Bah, du c'était mal à bien m'en dans remettre, ce. mais Eh ben, c'était bien tourné, franchement. sache que t'as du mal à t'en marrer, eh ben, putain, parce que moi, je me suis bien remis. Parce que je ne croyais pas du tout à ce rôle. Enfin, moi, je croyais que c'était un troll, Voilà, direct, que parce moi je le que ça croyais pas sent. du tout, donc tout simplement. Donc voilà, j'ai. Ah, ça s'entend direct, donc. C'est tout. Après, c'est vrai que son troll était quand même bien tourné. Voilà. Bah ouais, bah de toute façon, voilà, bah, c'est un troll, bah tu sais, le troll, et bah il va te dire bonne année. Je pense que c'était un poisson d'avril, mais version poisson de mai. Voilà. Voilà. Donc voilà, les amis, c'était tout Moi je tenais pour à te dire ça. c'était Et je tout pour disais ce que. aussi que. Pardon, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Je tenais aussi à dire que bah Jojo, que en tout cas, merci de ton troll parce que ça me faisait enfin du bien. Un peu de trolling, ça fait du bien quand même de voir un peu de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça fait du bien. Et en tout cas, je tiens à te dire, mais voilà, bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Et bah continue à voilà à me commenter, etc. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux surtout pas vers toi. J'en veux à personne, à qui que ce soit. Je suis quand même un gars qui est assez respectatif. Si j'en veux à quelqu'un, bah, je pense que je dirais pas. Non, je déconne. Mais je dirais en face, je pense, parce que c'est mieux de dire en face. Parce que quand tu dis pas en face, eh ben, tu te fais enculer. Non, je déconne. Voilà. Mais sérieusement, voilà, vaut mieux dire en face. Et Jojo, bah, en tout cas, merci en tout cas pour ton troll. C'était bien joué, c'était bien rodé même. Et Ah ça, ouais, je là, celui-là, tenais franchement. à. Je venais bien te dire que c'était bien rodé et c'était quand même bien C'était ce que pire j'ai fait. qu'un raid Twitch, celui-là, je crois. Celui-là, il m'a déglingué. Ouais, mais non, mais le raid Twitch, mec, là c'est. Ouais. Mais voilà. Mais aussi, je tenais à dire qu'un raid de Twitch, parce que tu parles de raid de Twitch, quand tu viens de parler de raid de Twitch, bah, un raid Twitch, ça sert à rien. Voilà, parce que je tenais à dire ça. Parce que ça sert à rien. Dans un raid Twitch, c'est tout simplement le mec, tu le vois en pleurs en cam et c'est tout. Non mais c'est pas ça, ça sert à rien, tu vois, juste parce que tu dis que tu auras beaucoup de followers, mais en fait au final tu n'auras rien parce qu'il n'y a personne. Voilà, tu n'auras rien. Au final tu n'as personne en fait. Un raid Twitch, c'est ce que j'ai compris. Enfin, ce qu'on m'a fait comprendre, un raid Twitch, ça sert à rien. Parce que au final tu gagnes zéro followers, même si tu en as 300, tu gagnes zéro followers. Désolé de dire ça, hein, Marcus, mais tu gagnes aucun. Bon après C'est moi comme je si sais tu pas, gagnais aucun. j'ai Ouais, vu non mais déjà j'ai. les raids Twitch, perso, Non il y mais en a, je. ils en ont quoi, donc. Pardon, excuse-moi. Non mais c'est pas ça, c'est que ils ont des abonnés, certes, mais ils vont pas venir vous dire bonjour quoi. Ils vont pas venir vous le dire. Ouais, voilà. En gros, ils vont être inactifs en gros. Donc tu gagnes des abonnés, inactifs. Comme si vous faites un sub for sub. Voilà. En gros, tu summes ma chaîne YouTube et même maintenant je summe ta chaîne YouTube. Tu comprends ou tu comprends pas? Voilà. Mais par contre,
le sub pour sub, je tenais à vous dire, et c'est peut-être que je vais faire cette vidéo, une vidéo dessus, un sub for sub, c'est pas bien, c'est pas bien parce que ça vous mène à rien en fait au final. Voilà. Mais sauf que à Marsu, ce que je vais dire, tout le monde a dit oui, mais Marsu fait du sub for sub, etc. Non, Marsu, c'est autre chose, c'est pas pareil. Marsu, c'est autre chose parce que beaucoup de monde a dit mais Marsu, c'est du sub for sub, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, toi, c'est que tu t'abonnes de ton cœur. Ah oui, oui, non, moi, en fait, si vous voulez, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Je remercie mes abonnés comme ça. Parce que vous abonnez à ma chaîne. Moi, en échange, je peux rien vous offrir. J'ai pas de compte PayPal, j'ai rien. Donc, je peux rien vous donner en échange. Donc, du coup, pour vous remercier, je m'abonne à mon tour, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est pas pour faire ce que t'as dit là. C'est juste par. C'est forcément. Oui. Pour vous remercier et pour bon et continuer cœur, comme ça hein. Et bien évidemment je remercie ceux et qui d'ailleurs les amis au passage petite pub alors là je suis obligé les amis parce que c'est un abonné ça me fait plaisir toi parce que tout de suite l'abonné s'est tourné vers moi c'est vrai que j'ai 200 et quelques vidéos sur moi donc cette personne c'est alors attendez il est où faut que je vous le trouve parce que franchement je te dis, je peux dire quelque chose pendant ce temps. Vas-y. Et je tenais à vous dire merci en tout cas à celui qui s'est abonné hier. Je le remercie en tout cas du fond de cœur. Et pourquoi? Non. Parce que celui qui s'est abonné hier, il m'a pas fait comprendre quelque chose. C'est qu'il est il est maintenant le 150e abonné sur ma chaîne YouTube. Ah ouais. Et ça, je vous remercie en tout cas à ceux. Et bien évidemment, comme je disais à Marcieux, hein. Comme je disais à toi, quand on est un 150e abonné, et ben on va fêter un truc, on va fêter un peu, enfin on va fêter ce petit pacte, enfin voilà, on va fêter ensemble, etc. Enfin voilà, délirer un petit peu tout, hein, un petit peu de joie, en tout cas de la bonne humeur sur ça, parce que sinon on va se dire putain, on va se manger une butte. Ce que je veux dire. Donc voilà, bah, je voulais refaire ma pub à Zone Détente. Donc, qui a tourné sa toute première vidéo et mis en ligne sa toute première vidéo aujourd'hui, les amis. Donc, la toute première vidéo de Zone Détente. Donc, il a 33 vues pour une première, c'est plutôt pas mal. C'est sur. Bravo. C'est sur Hardline, sur PS4. Donc, félicitations, Zone Détente. Battlefield Arène. Je sais pas, il a marqué Magnum 870p série de 16 kills sur Hardline PS4. Ah oui, c'est Battlefield Arena, ok. Bon, bravo donc, à toi. Tu permets, je te fais une pub. Donc, il a quand même 33 vues et 5 j'aime pour une première, les amis. Franchement, c'est nickel. Le seul conseil que je t'ai dit, je peux te donner, c'est d'essayer de te faire une intro. Après, bon, c'est vrai que pour faire une intro. Voilà. Ces vidéos sont postées en 720p, les amis, HD. Donc voilà, n'hésitez pas, maintenant, vous pouvez vous abonner. Parce que je pense que vu que tu as déjà posté une vidéo, je pense que tu vas continuer dans ce train-là. Et franchement, félicitations, mec. Ça fait plaisir. Tu t'es enfin lancé. Et voilà. Donc, bravo à toi. Hein. Voilà, bravo à lui. Oui, donc ça c'est BO2 PC partie multi que je viens de vous publier. Donc voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo, quoi, on va dire ça. Ouais. Nous on vous retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.